proposer une conférence qui est dédiée à une filière que vous allez pouvoir découvrir, alors à la fois sous l'angle technique, mais aussi sous l'angle des installateurs, puisque Madame Racine sera là pour donner son retour d'expérience, ainsi que Monsieur Prier. Et puis Guillaume Vachon interviendra en dernier pour représenter la collectivité, donc communauté de communes du canton de Charolles, qui vient tout juste de contrôler une installation donc de cette filière que vous allez découvrir dans quelques instants. Je laisse immédiatement la parole à Alain Gaillard, directeur de Stock Environnement, et Dirk Esser, directeur de Synth. Très bonne conférence à tous. Bonjour. Bonjour, je suis chargé effectivement de représenter Stock Environnement. J'ai la chance de diriger cette entité depuis déjà quelques temps. Et pour marquer les 30 ans d'activité de Stock Environnement dans le monde de l'assainissement non collectif, nous avons souhaité aujourd'hui vous faire partager notre vision autour d'un produit qui s'appelle Auto Épure et qui, en tant que solution filtre à sable végétalisé, constitue à nos yeux une évolution de la filière traditionnelle. Et c'est dans cet esprit qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes venus vous présenter à la fois la structure du produit, la technologie, les technologies qui sont mises en œuvre, complétées par, effectivement, les contraintes liées à l'installation, voire à l'entretien. Et donc, je remercie, effectivement, toutes les personnes qui se sont associées à cet événement, notamment Dirk Esser, qui est le concepteur du produit, Isabelle Racine et Bernard Prier, qui sont tous les deux installateurs, plus ou moins aguerris, mais qui nous font part de leur expérience. Enfin, Guillaume Vachon, qui a eu effectivement la chance de contrôler une de ces installations il y a quelques semaines maintenant. Voilà, bien entendu, je remercie Idéal Connaissance pour leur mise à contribution et pour l'organisation de cette conférence qui, malgré les quelques minutes de retard, j'espère captera votre attention. Voilà. Donc, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est effectivement de faire un rapide tour d'horizon. Je ne sais pas si Oui, alors on a juste un petit j'ai pas de temps souci là. d'attente encore. Le PowerPoint a disparu. Je vois partage de documents Isabelle Racine. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. En régie, est-ce que vous pouvez réagir, s'il vous plaît? Avant d'entrer dans le vif du sujet Auto Épure, en tant que tel, je peux vous dire sur quoi effectivement on souhaitait fonder notre explication, notamment en comparant les différentes filières traditionnelles existantes. La première d'entre elles étant effectivement le champ d'épandage, le traditionnel champ d'épandage, j'allais dire l'historique champ d'épandage directement taillé dans le sol, qui est quasiment disparu aujourd'hui. En tout cas, c'est notre vision. Le filtre à sable vertical drainé, non drainé, pardon, qui lui aussi se fait de plus en plus rare dans nos campagnes. Et enfin, le filtre à sable vertical drainé, qui, autant que je puisse en juger, est aujourd'hui un produit extrêmement répandu. Nous inscrivons effectivement la filière auto-épure comme une évolution du filtre à sable vertical drainé, un filtre à sable végétalisé qui présente un certain nombre de caractéristiques que nous allons effectivement avoir la possibilité de détailler ensemble en tant que effectivement solution performante, innovante également, même si effectivement l'agrément de la première filière auto-épure remonte déjà à 2011. Donc c'est une filière qui est déjà utilisée depuis de nombreuses années. C'est un produit français, j'attends les slides et donc je profite de l'occasion pour vous indiquer que c'est un produit de conception française. Qui a été le fruit d'une collaboration entre Dirk Esser de SINT et en même temps de Christian Pietri de la société Épure Nature. Ce produit aujourd'hui est distribué par la société Stock Environnement en complément des activités qui sont les activités plus traditionnelles chez Stock Environnement, notamment pour ceux qui connaissent nos produits, les gammes de microstations ou encore de filtration compacte. Il s'agit pour nous effectivement d'une avancée technologique qui doit permettre de répondre à des demandes de la part des utilisateurs, de la part des pétitionnaires, pour avoir une filière qui est une filière de type traditionnel, d'architecture traditionnelle.
Je vais donc demander à Dirk Esser maintenant de prendre en charge la description de son produit, puisqu'il a été effectivement à l'origine de la conception de ce produit et va nous faire part de tous les avantages qu'on y trouve, nous en tout cas à nos yeux. Dirk. Bonjour, donc je m'appelle Dirk Esser, je suis le créateur directeur de la Synth, donc société créée déjà en 1991, donc ce qui ne rajeunit pas, et qui a développé donc notamment les filtres plantes de roseaux pour le traitement nasalisé des collectivités entre 20 et 4000 habitants. Et nous avons aussi, donc, avec le début de l'expérimentation de Veolia, testé un filtre planté de roseaux sur la plateforme du CSTB et développer ce procédé qui est un peu différent du procédé que nous proposons pour les collectivités, parce que pour les collectivités, nous travaillons en eau usée brute, non décantée, alors que pour l'assainissement non collectif, nous avons fait le choix de garder la fosse septique en tête du système et de travailler avec un filtre à sable quelque part, un filtre à sable plante de roseau, que nous avons optimisé aussi, enfin, en dehors du fait que nous avons introduit une plantation qui apporte certains avantages, nous avons aussi optimisé la conception en soi de ce filtre à sable. Voilà, donc, classiquement, donc la première chose, puis on collecte toutes les eaux, hein, c'est une fosse toutes eaux, comme son nom indique, qui fait un pré-traitement, classiquement. Après, on a une alimentation des filtres, ce qui peut être soit gravitaire, enfin, le terme gravitaire pas tout à fait exact, parce qu'on n'a pas une alimentation flux continue, mais une alimentation par bâcher. Et lorsqu'on n'a pas suffisamment de dénivelé pour que ça puisse se faire gravitairement, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'électricité, on a un poste de refoulement et puis on fait directement le bâcher à partir de ce poste de refoulement. Donc ça permet, je reviendrai pour les avantages techniques un petit peu plus loin, et par la suite on a un traitement en bassin unique qui est en partie un filtre à percolation verticale non saturé et un filtre horizontal saturé. Donc je vous expliquerai un peu plus tard l'intérêt de cette combinaison. Voilà. Et finalement, donc, on a un rejet dans le milieu naturel qui peut être gravitaire ou via une pompe. Et finalement, donc, comme l'arrêté sur l'ANC le permet, donc, l'eau peut être réutilisée en irrigation ou en infiltration par système intérêt. Voilà, donc ici vous avez une maison, donc vous avez classiquement la collecte. Merci. Voilà, donc vous avez. Non, je vais le faire. Donc là, vous voyez la collecte des eaux vannes et des eaux de lavage, enfin, toutes les eaux ménagères qui sont dirigées vers la fosse septique. Et donc. Voilà, donc la fosse, donc, les eaux se décantent, ils sont en repos. Une décantation, c'est-à-dire les matières solides lourdes, elles tombent au fond de la fosse, elles se liquifient en partie. Et puis les graisses et les flottants, et puis aussi une partie de ces solides qui sont entraînés par les gaz, flottent en surface, qui forment ce qu'on dit un chapeau. Et puis l'eau est reprise un petit peu en profondeur entre ce chapeau flottant et les bouts qui sont décantés et fermenté au fond et liquéfié. Donc voilà, donc on retrouve un eau, donc on a déjà un abattement, certains entre 30 et 40% de la pollution au niveau de cette fosse. Et puis on a un eau qui est donc débarrassée des matières en suspension, ce qui permet d'avoir un système d'alimentation souterraine sans que qu'on rentre en contact avec les eaux à traiter, sans que les risques de contact entre l'homme et les eaux à traiter. Donc voilà, qui est récapitulatif de ce qu'est la fosse toutes eaux. On collecte donc toutes les eaux domestiques, liquéfaction partielle des matières polluantes,
rétention de matière solide, de flottant et de graisse, ce qui est important. Donc si vous avez une fosse toute eau, ce n'est pas la peine de mettre un bac à graisse, sauf si vous protégez le tuyau, sauf que si vous avez une grande longueur de tuyau entre les rejets et la fosse, et vous avez le risque que vous avez une prise solide des graisses dans ce conduit. Donc, bon, il y a quelques points à respecter pour la conception et l'architecture de la fosse sous-eau. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un écoulement le plus homogène. Il y a un écoulement le plus homogène possible entre l'entrée et la sortie des eaux dans la fosse, parce que ça doit fonctionner plus ou moins comme un piston. Il faut éviter donc que les matériaux qui sont décantés soient remis en suspension ou la matière flottante soit réentraînée vers la sortie. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une hauteur suffisante qui permette au bout de s'accumuler au fond de l'ouvrage et aussi d'avoir un chapeau flottant qui ne soit pas repris par les tuyaux par les tuyaux de rejet. Et par ailleurs, bon, comme vous avez une fermentation dans cette fosse, il faut avoir une ventilation qui évacue ces gaz de fermentation. Et préférable en hauteur pour pas avoir des nuisances olfactives. Donc après l'alimentation, ce qui est important, c'est-à-dire pour optimiser ce dispositif, nous avons donc un ouvrage de répartition. Et si vous voulez bien répartir les eaux sur sa face, il faut que vous ayez la pression, parce que c'est le seul moyen de maîtriser la répartition. Donc on envoie l'eau sous pression sur le filtre, donc pour répartir l'eau d'une façon optimale sur toute la surface. Faut imaginer que ce type de filtre, c'est un réacteur biologique, et donc ça marche d'autant mieux, vous utilisez d'autant mieux le volume. Vous amenez l'eau, vous répartissez équitablement les débits sur toute la surface de ce réacteur. Et aussi, un autre point qui est important, c'est-à-dire que vous avez une alimentation intermittente, ce qui permet aux surfaces d'infiltration de s'oxygéner entre les alimentations, ce qui diminue très fortement le risque de colmatage de ce type de dispositif. Donc, alimentation par intermittence, ou alimentation séquentielle, comme on dit, avec un très fort débit, limité dans le temps, typiquement quelques minutes dans l'heure, et après l'eau s'accumule, soit dans le poste de refoulement, soit dans l'ouvrage de chasse, et donc ça permet donc d'utiliser tout le volume de réacteur biologique, et aussi de solliciter toute la surface des filtres pendant un temps limité, et le reste du temps, ce filtre-là, quand l'eau s'est infiltrée, puisse se réoxygéner, ce qui est très important pour que les bactéries qui se trouvent à l'intérieur de ce filtre puissent travailler et pour éviter des surcharges d'une partie de la surface qui peuvent engendrer un colmatage progressif. Donc on fait cela en utilisant un poste de relevage ou un chasse à OG, et donc avec des rampes souterraines, parce qu'on n'a pas de matière en suspension, donc on peut enterrer les rampes, dans un matériau granulat drainant, et j'ajouterai aérant, c'est-à-dire qu'il faut que l'oxygène puisse circuler dans ce matériau. Non, donc distribution par bâcher, sur tout ce comportement vertical. Et comme je l'avais déjà exposé, ce qui permet de prévenir la formation de saturation locale qui engendre donc un colmatage biologique. Ce qu'on veut évidemment éviter avec cette conception. Voilà. Donc les filtres se décomposent en deux parties, donc un traitement vertical librement drainé, non saturé. Donc lesquels dont les eaux sont distribuées en surface. Avec donc à gauche, vous voyez un petit peu les détails de la conception, les détails de la mise en œuvre de cette, notamment l'étanchéité de ces filtres. Donc ces masses filtrant par percolation verticale, donc c'est un filtre à sable, hein, c'est un filtre à sable qui s'apparente donc au filtre à sable de la filière classique, sauf qu'il est optimisé. Les surfaces sont un peu réduites, ce qui permet l'optimisation. On passe de 5 mètres carrés pour la filière classique à 3 mètres carrés.
le peu de matières en suspension qui sont échappées de la fosse aux eaux, ils sont retenus sur la surface des filtres. Et surtout, la matière organique dissoute est décomposée dans cette filtre vertical par des bactéries aérobies qui se trouvent à l'intérieur des filtres, sur le grain de sable, sur le rhizome et les racines des roseaux. Et ça a lieu surtout dans la couche supérieure du sable, parce que c'est là qu'on trouve l'oxygène. Donc l'oxygène pénètre l'essentiel des traitements aérobies, s'effectue dans les premiers 15 cm des sables. Donc par la suite, ce filtre le traitement est complété par un traitement horizontal, donc qui est contrairement à la partie verticale qui est saturée, c'est-à-dire on n'a pas de. Il y a de l'eau partout dans ce compartiment. Le granulat, pour des raisons hydrauliques, est un petit peu plus grossier. Et on a un temps de séjour, donc de quelques jours, dans ce filtre horizontal. Et ça permet donc surtout de dénitrifier, c'est-à-dire de transformer les nitrates qui se sont formés dans le filtre vertical. Parce que dans les eaux usées, on n'a pas de nitrate. Les nitrates se forment dans le cours de traitement. Dans le filtre vertical, de dénitrifier. Et donc, la dénitrification, elle a un double avantage. Évidemment, elle élimine une partie de l'azote, une partie de nitrate, hein, qui part sous forme d'azote atmosphérique. Donc, vous savez, l'atmosphère est composée de plus grande partie de l'azote. Donc, on rajoute un petit peu de ces gaz qui forment l'atmosphère naturellement. Et en même temps que vous dénitrifiez, vous appâtez le peu de matière organique dissoute résiduelle, parce que les bactéries qui font la dénitrification, elles vont manger cette matière organique, ou plutôt les bactéries qui mangent la matière organique vont dénitrifier. Bon, c'est une question de présentation, comme vous voulez le tourner. Et puis par la suite, vous avez donc les rejets avec des concentrations qui respectent très largement le norme en vigueur. Donc par la suite, on peut diriger l'eau vers une infiltration souterraine ou vers une irrigation souterraine qui permettent de réutiliser les nutriments qui restent dans les eaux pour valoriser par des plantations. Voilà, donc c'est un dispositif breveté. Il a eu l'agrément en 2011 pour la filière 5 écoles en béton, et en 2012-2013, l'agrément a été entendu pour des détails de 8, 9, 10, 15 et 20 écoles en béton. Et la CINT avait conclu un accord avec EPNATURE qui a porté les frais financiers de cette procédure d'agrément, et qui nous a accompagnés dans ces démarches, dans le cadre d'un partenariat. Et maintenant, c'est entendu à la société Stock. Absolument. On n'est plus deux, on est trois. Oui, tout à fait. Et donc, on a eu donc un test très rigoureux à l'époque, sur 38 mois, dans le cadre d'études expérimentales menées par Veolia dans des conditions sollicitantes sur la plateforme CSTB. OK. Donc, pourquoi un filtre à sable végétalisé? Donc, parce que les plantations, elles apportent un certain nombre d'avantages. Premièrement, vous favorisez le développement des bactéries. Les bactéries, bien sûr, vont se développer naturellement aussi dans un filtre à sable, hein, sinon le filtre à sable classique ne fonctionnerait pas. Mais l'avantage de mettre des plantes, c'est-à-dire vous maintenez aussi une vie bactérienne active, même si vous n'apportez pas des eaux usées. C'est-à-dire, c'est aussi un filtre qui a une plus grande résilience. C'est un filtre à sable classique où vous avez de longues pauses, votre flore bactérienne, il meurt complètement. Donc ici, bon, parce qu'on a l'effet des rhizosphères, donc on garde une vie bactérienne, même si on n'alimente pas les dispositifs avec des eaux usées, ce qui permet un redémarrage beaucoup plus rapide pour des installations qui fonctionnent par intermittence. Donc, ce qui est un avantage, parce que bon, le phénomène des rhizosphères, c'est bien connu des agronomes et des biologistes, c'est-à-dire on a une flore bactérienne qui est spécifique aux zones racinaires, qui se développe notamment pour ces plantes comme le roseau, qui sont des plantes aquatiques,
qui ont développé la faculté de vivre dans des milieux très réducteurs, comme des vases, développés dans des vases, et qui ont besoin pour survivre dans ces milieux réducteurs, de créer une zone oxydante autour des racines. Et c'est un phénomène qui donc contribue également donc de stimuler ces bactéries aérobies que nous avons besoin pour traiter des eaux usées. Et puis par ailleurs, on a également une sécrétion des acides organiques qui peut servir comme qui également garde en vie cette population bactérienne lorsque, par exemple, on n'a pas des apports d'eau usée. Après, les plantes, ils ont un effet physique anticolmatant. Ils gardent le filtre ouvert et puis ils maintiennent l'ombre de surface des filtres en été, ce qui permet de garder une meilleure hygrométrie à la surface des filtres et d'éviter le dessèchement des bactéries. Et voilà, c'est essentiellement ces avantages-là. Donc après, dans les autres éléments de conception, c'est-à-dire qu'on a également donc un système non odorant. Vous savez, l'eau qui sort de la fosse septique, comme ça subit une fermentation anaérobie, c'est-à-dire avec des bactéries qui ne travaillent pas avec l'oxygène, parce que dans une fosse septique, comme le nom l'indique, elle est septique, il n'y a pas d'oxygène dedans. Et donc l'eau qui sort d'une fosse septique, c'est toujours un peu malodorant lorsque vous les mettez en mouvement. Donc ici, le système de distribution est enterré, il est couvert par une couche de compost. Et le compost, c'est un excellent filtre. C'est un excellent biofiltre pour capter les molécules odorantes, comme les acides gras volatiles qui s'échappent de l'eau lorsque l'eau est mise en mouvement. Donc vous avez donc une filtration naturelle des odeurs. Et en même temps, ce compost laisse passer l'oxygène suffisamment qu'on a besoin en surface des filtres pour décomposer la matière organique dissoute des eaux usées. Bon, aussi, ce qui est un aspect pas négligeable lorsque vous avez une installation dans votre jardin, ces filtres-là, ils sont très esthétiques. Ils permettent une très bonne intégration paysagère dans un aménagement de votre jardin. Hein. Ça peut donner lieu aussi un peu de composition architecturale paysagiste de votre jardin. Et finalement, lorsqu'on a suffisamment de pente, on peut fonctionner sans apport électrique. Et suivant si la topographie le permet, sinon il faut mettre un simple poste de refoulement. Voilà, donc ça, c'est les différentes surfaces qu'on a besoin. Donc on travaille actuellement, comme je vous ai déjà indiqué, à 3 mètres carrés pour le filtre vertical, plus 1 mètre carré pour le filtre horizontal, ce qui fait 4 mètres carrés en tout, par rapport à 5 mètres carrés pour la filière traditionnelle. Aussi, ce qui n'est pas négligeable, on a une profondeur un peu moins importante. Donc, lorsque vous avez des terrains rocheux en dessous, au niveau des excavations, c'est un avantage. C'est aussi un avantage qu'on n'est pas complètement enterré, donc on est habituellement moins profond avec un filtre à sable classique. Donc, les trous que vous avez besoin à faire dans votre jardin est beaucoup moins profond. Et vous voyez qu'on a des niveaux de traitement qui sont très très largement excédentaires des 40 mg litres en DBO5 et des 35 mg litres en MES que réglementairement on doit atteindre. Voilà, je crois que je laisse pour la partie installation, je retourne la parole à... Voilà, alors on va laisser effectivement la parole, merci à vous deux. On va laisser effectivement la parole à Isabelle Racine à distance, qui va pouvoir réactiver son micro. Très, très mal et par fissure. Je lance. Oui, je vous entends. Ils sont en train de terrasser la partie la plus profonde, donc le filtre horizontal. Nous mettons en place l'exutoire. Je pense que c'est bon là. J'ai complètement coupé le son. Coupez bien le son.
de protéger la géomembrane que l'on avec les étiquettes dessus par la suite. Ça, c'est celui qui va dans le trou. On maintient nos géotextiles avec les agrafes. Le dépliage de la géomembrane. On tend bien après la géomembrane et on va venir l'agrafer sur notre cadre en bois. Remise en place du deuxième géotextile et la pose de la couche antiracinaire sur le bord de tout le filtre afin que le système racinaire des roseaux ne puisse pas aller polluer le terrain à côté. Pose de la colorette. Alors maintenant on colle, on ne chauffe plus. C'est un petit peu dommage à notre sens. Pose du tuyau de rejet et du tuyau de collecte en fond de filtre. Prise de niveau pour les tuyaux pour le futur où on aurait besoin d'avoir un décolmatage du filtre. Mise en place du plus gros gravier sur la couche sur les tuyaux de collecte. Remplissage du filtre avec un gravier plus fin. Mise en place du sable filtrant. On égalise bien tout au même niveau. Pose des rampes de dispersion que l'on a préparé en amont. Donc après, on cale nos rampes de dispersion. Merci Madame Racine. Nous allons revenir donc sur la présentation puisque Bernard Priest, qui est gérant chez Sarles Priest EP, va pouvoir continuer et reprendre donc suivant votre expérience d'installateur, Madame Racine. Donc nous allons avoir un complément. Merci. Voilà.
Monsieur Priest, c'est à vous. Bonjour, Bernard Priest, gérant de la société SARL Priest, entrepreneur terrassement assainissement. Oui, nous avons réalisé notre premier filtre planté de roseaux 8EH il y a quelques semaines. Et ça, c'était une réalisation d'un 8EH, donc équivalent à un filtre à sable drainé de 40 mètres carrés. Donc, nous avons réalisé le filtre. L'emprise foncière a été diminuée. Elle est de 30 mètres carrés. Donc, la première phase du travail à réaliser sur la maison, il a fallu qu'on recherche toutes les canalisations existantes, dont certaines n'étaient pas indiquées sur le plan. Ensuite, on a fait vidanger les fosses par une entreprise spécialisée. On les a remplis de sable et on a fait le terrassement pour la fosse de 4000 litres toutes eaux avec filtre incorporé. Après, on a commencé la réalisation du filtre, qui était un petit peu soucieux pour nous car c'était le premier. La première chose, c'est de pouvoir réaliser une implantation très suivie par rapport au plan. Et prise de niveau, car on avait un rejet au fossé et le fossé n'était pas très profond. On a commencé le terrassement en faisant un terrassement un peu en surélévation parce qu'on avait une dénivelée de 20 cm à partie la plus haute et 45 cm à partie plus basse. Donc on a réégalisé avec le tassement des terres. Le reste du terrassement a été évacué. Avec ce système de filtre, on a eu une chance, car lorsqu'on a terrassé à moins 50 par rapport au terrain naturel, on a commencé à avoir une infiltration d'eau, chose qui n'était pas signalée sur le rapport, ce qui nous a permis quand même de réaliser le chantier. Si on avait eu un filtre à sable à poser, on aurait été obligé de drainer le fond du filtre à sable et faire un rejet et de remettre une pompe de relevage. Donc, c'est un filtre pour nous, pour le premier que l'on pose, on s'est aperçu qu'on avait moins d'emprise. Donc, le client conserve plus de jardin. On a une profondeur très minimum de terrassement, donc avantage pour évacuation des terres. Beaucoup moins de matériaux à fournir, moins de gravillons, moins de sable. Par contre, c'est un travail un peu plus minutieux qu'un filtre à sable, car on doit respecter quand même les talus, un pour un, et qu'ils soient bien terrassés pour que la pose des géotextiles et des membranes n'ait pas de problème pour pouvoir les faire tendre et pouvoir les ajuster. Au point de vue investissement pour cette première réalisation, on a eu on a passé un petit peu plus de temps que prévu, mais bon, c'était le premier. Et je pense qu'à l'avenir, on ne mettra pas plus longtemps qu'une réalisation de filtre à sable. Peut-être moins, car on a moins de matériaux à bouger. Après, la plantation des roseaux, c'est très rapide. Il suffit de faire des tracés et on pose nos roseaux. Je pense que c'est une création paysagère dans notre région de bocage de Charolais. Elle va bien s'intégrer. Une deuxième slide. Voilà. Voilà ce qui a été posé.
Voilà, la réalisation pourrait exécuter le filtre. On a posé une fosse toutes eaux de 4000 litres, des tuyaux de plastique PVC CR4 et NEF, le géokit, la géotextile membrane, le PDM, un poste de relevage, plus le kit plastique interne au filtre, plus le regard de sortie, le kit roseau. En gravier, il faut 10 mètres cubes, soit un gain d'environ de 30 tonnes. Le sable, 35 tonnes, soit un gain d'environ de 35 tonnes. La terre végétale, de 5 mètres cubes environ. En finale, je pense que le prix équivalent à celui d'un filtre à sable drainé par rapport aux différences de tonnage et aux différences que l'on a en faisant le terrassement. En plus, on a une garantie supplémentaire, car l'entreprise a une garantie. Et sur un filtre à sable, c'est l'entreprise qui crée la garantie avec sa décennale. Ok, merci M. Priet. D'ailleurs, quand je dis merci M. Priet, je devrais remercier les trois intervenants qui viennent de vous faire part de leur expérience et de leur contribution. Dirk Esser, effectivement, qui a fait une présentation, j'allais dire scientifique, en tout cas détaillée, des composantes de cette filière auto et pure, et en mettant en valeur ce que je considère des points différenciants vis-à-vis d'un filtre à sable vertical drainé que vous connaissez sans doute mieux. Merci à Madame Racine pour le témoignage pratique et illustré en vidéo d'une pose sur un auto-épure 5EH et qui montre bien les différentes étapes de réalisation et l'astuce aussi qui a été inventée par l'entreprise Racine, notamment par l'utilisation de ce cadre qui vient formater et implanter donc le filtre sur le terrain. Merci encore à Bernard Priet, comme je le disais à l'instant, qui, pour cette première expérience, puisque c'était une première expérience, bien que l'entreprise soit déjà experte en assainissement non collectif, qui, pour cette première expérience, et malgré effectivement les inquiétudes, ou en tout cas les préoccupations de départ, a vécu une expérience que je qualifierais de réussie, M. Priet, on est d'accord? Oui. Et avec l'envie de recommencer. Voilà. Donc, voilà, je reprendrai sans doute la parole par la suite, mais je voulais laisser à M. Vachon aussi le soin de s'exprimer. Monsieur Vachon, qui donc intervient comme SPANC dans la communauté de communes donc du canton de Charolles. Monsieur Vachon, c'est à vous. Bonjour, si merci. Vous voulez bien. Oui, donc moi je suis contrôleur du SPANC sur le secteur de la communauté de communes du Grand Charolais et j'ai eu donc l'occasion de faire mon premier contrôle sur une installation auto et pure qui a été réalisée par l'entreprise TIS que vous avez pu avoir auparavant. Donc si c'était une première pour lui, c'était une première pour moi également. Et comme l'a dit M. Priest, à la réalisation, pour lui, bah, il a tenu, il a pris plus de temps. Ça a été pareil pour moi au moment du contrôle, parce que, bah, comme la première fois que vous arrivez sur une première installation, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Puis finalement, au fur et à mesure du déroulement du contrôle, on se rend compte que c'est une installation qui est quand même relativement simple de par sa conception, je ne dis pas de par sa réalisation. La conception a probablement pris du temps, mais finalement, ils sont arrivés à mettre en place une installation qui est très facilement contrôlable. Effectivement, comme l'a dit la société Stock Environnement, ce procédé est un peu un procédé intermédiaire en fait, entre une vraie phyto et puis les installations qu'on dirait classiques. Donc, fosse plus épandage, dont la technique va dépendre de la nature du terrain. Et effectivement, sur les terrains argileux, on voit plus en plus, enfin, pratiquement plus que des filtres à sable verticaux drainés. Sur les terrains absorbants, on voit encore des tranchées d'épandage et des filtres à sable non drainés. Hein, on s'adapte à la nature du terrain. Mais c'est vrai que cette technique se prête particulièrement dans les terrains imperméables et notamment des terrains qui disposent d'une certaine topographie. Puisque si vous avez une pente suffisante, en fait, vous allez vous retrouver avec la technique la plus simple, donc fosse, chasse à objets. Filtre vertical suivi d'un filtre horizontal et rejet en gravitaire. Et puis après, si vous avez un terrain qui est quand même relativement plat ou en pente inversée, vous pouvez effectivement mettre jusqu'à deux pompes sur le système.
Une partie importante à vérifier lors de contrôle, hormis la conception des filtres que tout à chacun pourra trouver dans le guide de l'utilisateur, qui est quand même bien fait, parce que la société Synth n'est pas nouvelle là-dedans. Hein. Moi, je suis arrivé dans le Spank en 2006, Synth existait déjà, j'avais déjà des brochures avec des techniques qui ressemblaient déjà étrangement à ce qu'ils ont pu commercialiser maintenant. Donc, je pense qu'ils ont quand même un sacré retour d'expérience là-dessus. Donc, effectivement, il faut bien faire attention à la mise en place des films géotextiles, géomembranes, anti-racines, et des terrassements corrects des volumes. Une partie importante également est bien vérifier la présence des ventilations, puisque, comme vous l'a expliqué Monsieur Esser tout à l'heure, la présence de ces gaz d'hydrogène sulfuré qui, si on ne les évacue pas, va bah, d'une part effectivement entraîner une corrosion des éléments constitutifs en béton qui peuvent être sur l'installation, mais également re-rentrer après dans les effluents, faire baisser le pH des effluents, arriver dans le filtre vertical, et du coup, les roseaux risquent d'avoir une croissance et donc une capacité à traiter quand même affaiblie. Donc les ventilations de fosses et postes de relevage sont très, très importants sur ce type d'intervention si on veut prolonger au maximum la durée de vie de l'installation. Vous avez effectivement les surfaces. Alors, bon, je ne vais pas rentrer aussi loin que Monsieur Esser parce qu'il est vraiment très performant, surtout au niveau chimique. Mais il faut bien faire attention effectivement à la granulométrie des granulats utilisés. Hein. Donc, vous avez pour le calage des rampes de distribution un granulat qui tourne autour d'une granulo entre 15 et 25 mm. Le sable est un 0,6, bien sûr non siliceux et lavé en grande partie pour débarrasser de notre partie de ses fines entre 0 et 63 microns. Et puis, dans le filtre horizontal, on est sur ce qu'on appelle de la gravelette, c'est-à-dire un gravier, un 2,4, 2,4 bien lavé également, pour éviter tout risque de colmatage. Après, juste en complément un peu de ce qui a pu être dit par les différents intervenants, donc effectivement, le gain de place en surface va dépendre en fait de la capacité de traitement du système hein, par rapport à un filtre à sable classique. Le gain, on l'a surtout au niveau de la profondeur de terrassement, donc au niveau, effectivement, comme disait M. Priest, de la quantité de terrain naturel à évacuer et de matériaux nobles à ramener. Je me suis permis de faire quelques petits calculs pour vous amener des détails un peu plus précis. Et effectivement, sur une installation à 5 EH, on va mettre en place à peu près entre 9 et 10 mètres cubes de matériaux nobles, donc sable et gravier, au lieu des 25 nécessaires dans le cadre d'un filtre à sable. Et pour les installations à 8 EH, on va être entre 14 et 16 mètres cubes de matériaux nobles pour 30 mètres cubes dans le cadre de filtre à sable. Donc, le gain, la rotation du nombre de véhicules, enfin, si on veut aller au maximum, l'impact de carbone est quand même relativement modéré par la mise en place de ce type d'installation, contrairement à des installations classiques. Le deuxième souci qu'on a, enfin, je pense que la plupart des personnes en ont entendu parler, c'est que quid de l'obtention du sable, de sable de bonne qualité dans les années à venir, parce que c'est de plus en plus difficile d'en extraire des quantités suffisantes. Le recyclage, bon, vu les prix actuellement à 50 euros la tonne de matériaux recyclés, je pense pas qu'on le réutilise tout de suite pour faire des assainissements. Donc au plus effectivement, on pourra minimiser la quantité de matériaux nobles amenés dans nos systèmes d'assainissement, et au plus on pourra continuer à mettre aux normes en fait des systèmes obsolètes actuellement. Le gros avantage aussi de ce système, c'est le filtre à sable horizontal en fait en dernière partie, hein, qui hormis effectivement le fait d'abattre la quantité de nitrate, permet également, à l'inverse du filtre à sable, de supporter beaucoup mieux les variations de charge. Et effectivement, quand d'un seul coup, il y a du monde qui arrive, ou quand on est dans le cadre d'une résidence secondaire ou d'un retour de vacances, on se rend compte, et je me base là-dessus, sur ce dont vous a parlé Monsieur Esser, effectivement, les tests qui avaient été faits sur les plateformes du CSTB sous l'égide de Veolia, on se rend compte notamment qu'au niveau d'un critère qui n'est pas pour l'instant demandé, mesurable par la loi sur l'eau, à savoir la DCO, on se rend compte que la DCO est beaucoup plus linéaire sur un système comme environ sceptique, comme
comme sur un système, pardon, excusez-moi, comme auto-épure, que sur un système de filtre à sable classique où on a des variations en sortie de la DCO qui sont relativement importantes lorsqu'on a des modifications en fait de la charge polluante en entrée de système. Donc voilà, je voulais effectivement rebondir également aussi sur sur la partie aménagement paysager qui n'est pas négligeable, puisque aujourd'hui, quand on dit en particulier, on a besoin d'une surface notamment relativement importante quand on a des tranchées d'épandage, par exemple en terrain filtrant, et une surface qui sera immobilisée, qui restera en grès ou en plantation herbeuse, effectivement intégrer ça dans le cadre d'un aménagement paysager, même si bon, ça manque un peu de fleurs effectivement, mais peut-être qu'à l'avenir on aura des systèmes qui pourraient être un peu plus fleuris comme on a actuellement sur des systèmes à plusieurs bassins, c'est quand même mieux de voir une arborescence de roseaux que de voir dans certains cas une friche ou quelque chose qui bon, voilà, un délaissé en fait au niveau de sa parcelle. Donc voilà, après il faudra qu'on voit au niveau du SPANC hein, effectivement les suivis par rapport à ces installations, et notamment le vieillissement. Pour un particulier, l'entretien, en fait, le simple entretien, c'est même une installation classique, hein, donc vidange de la fosse lorsqu'on a atteint 50% des boues, et puis éventuellement, je pense que quelque chose qui peut éventuellement peut être mal, c'est une scarification en fait de la surface en compost, puisqu'on a besoin en fait d'un recouvrement avec un matériau relativement léger, d'une part pour bloquer les odeurs, et d'autre part effectivement pour amener une quantité d'oxygène supplémentaire, notamment au niveau du filtre vertical, puisqu'on est en filtre aérobie, enfin en fonctionnement aérobie, et que du coup on a besoin et de la perméabilité en fait du compost et de laisser libre les roseaux de tout mouvement en fait au vent pour permettre la circulation de microbrouillettes d'oxygène jusqu'à leur système racinaire pour alimenter en fait les bactéries qui vont se charger de traiter tout ça. Mais il faut peut-être moins en faire une phobie que sur d'autres types de filtres plantés ou nous sommes plantés dans des graviers, puisque là on a le sable également en support bactériologique et bactéries qui sont sur le sable, si elles ont 10 cm de compost ou 10 cm d'une terre un peu plus lourde, on va se retrouver dans le cas d'un filtre à sable classique où avec 20 cm de recouvrement, de toute façon, on arrive à amener suffisamment d'oxygène en fait aux bactéries. Donc l'avantage, c'est que effectivement, avec ce double système, on passe de 70 cm à 35 cm de sable, mais en, du coup, on a un double support bactériologique qui fait que si des fois on a un support qui est défaillant, et bien, de toute façon, l'autre va pouvoir prendre le rejet. Donc voilà, moi je suis bien content d'avoir pu voir ce type d'installation sur mon secteur. J'espère effectivement qu'il y en aura d'autres. Je sais qu'il y a des projets en cours, mais j'espère qu'effectivement ça sera une bonne lampe de rancement pour le développement de la phytoépuration dans nos régions. Voilà, je vous remercie. Et à vous, monsieur Vachon, je suis ébahi, étonné par la précision de votre étude. Vous avez fait effectivement un travail extrêmement fouillé et je vous remercie effectivement de cette présentation, de cet exposé que je trouve très complémentaire au témoignage précédent. Merci encore, monsieur Vachon. Bien, nous allons pouvoir passer au temps d'échange avec les participants. Vous pouvez, je vous le rappelle, poser votre question via le petit chat, le petit module de chat que vous avez en bas de votre écran. Willy Grunessen nous dit bonjour à tous, donc on le salue. Vous pouvez justement faire comme lui et en profiter pour passer votre message ou poser votre question ou tout simplement émettre une remarque. Nous allons revenir peut-être sur une diapo. Pour terminer avec une notion terrain. Alors, je recharge le PowerPoint et c'est la diapo. J'ai pas le numéro. C'est le numéro 25. On va la retrouver. Alors, pourquoi je souhaite reprendre la parole deux petites minutes simplement pour intervenir dans le champ d'application qui est le nôtre, Stock Environnement, qui commercialise un certain nombre de solutions, mais pas seulement, puisque on se préoccupe beaucoup de la qualité des installations qui sont faites avec nos produits,
et de l'utilisation ensuite qui doit rester conforme. Notamment, on se préoccupe beaucoup de la surveillance et de l'entretien des installations. La filière auto-épure, comme tous les autres types de filières, n'échappe pas effectivement à un minimum de surveillance. On a évoqué un certain nombre d'avantages de cette filière, tant du niveau de sa performance que de sa facilité de pose. Je crois qu'il y en a un dernier qu'on pourrait évoquer, ne serait-ce qu'en balayant effectivement les différents points qui constituent la surveillance d'une installation auto-épure. Je pense notamment aux différentes tâches de nettoyage qui peuvent être nécessaires de manière régulière. Il y a un dispositif d'alimentation placé entre la fosse toutes eaux et le filtre qui va être d'autant plus efficace qu'il ne sera pas encombré éventuellement de matière qui pourrait échapper de la fosse toutes eaux. Donc un rinçage trimestriel paraît être une bonne idée. Le filtre planté de roseaux par lui-même, le filtre végétalisé, va nécessiter un minimum de désherbage lorsque effectivement les roseaux vont petit à petit coloniser la surface. Dans les premiers mois, voire les deux premières années, il va falloir, comme le disait M. Vachon tout à l'heure, scarifier et éventuellement désherber pour éviter que les roseaux soient envahis. C'est une tâche qui doit être faite de manière régulière, notamment sur les deux premières années. Accessoirement, mais ça n'est pas obligatoire, on peut procéder à un faucardage annuel. Il n'y a pas d'obligation à le faire. C'est juste les roseaux vont vivre leur vie, se faner en hiver et éventuellement reprendre leur vitalité au printemps de manière très naturelle. Pour des questions d'esthétique, on peut effectivement notamment faucarder le filtre. Ça n'est pas obligatoire. Enfin, la fosse toutes eaux, comme tout le monde le sait, est un élément qui est essentiel donc dans la réalisation d'un système auto-épure. Comme toute fosse toutes eaux, elle va effectivement se charger en matière. Et bien lorsque on aura atteint effectivement une quantité de boue qui correspond à 50% de son volume, il sera nécessaire de procéder à la vidange de cette fosse. Voilà, je voulais simplement terminer sur cette note, puisque effectivement auto-épure est un système actif qui nécessite un minimum de surveillance, voire d'entretien, même s'il ne s'agit que d'un minimum. Comme tout système d'épuration, comme tout système de traitement des eaux usées domestiques. Voilà, merci pour votre attention. Bien, merci. Les questions commencent à arriver. Alors, avant de passer sur ce mode de questions-réponses, hein, je vais le mettre immédiatement. Madame Ratzine, vous pouvez faire votre réapparition, réactiver votre micro et votre caméra. En attendant, je tiens à préciser à tout le monde que vous le savez, les assises de l'ANC cette année auront lieu en septembre. Si vous vous êtes inscrit d'ores et déjà, c'est que donc vous n'avez pas loupé notre communication et que vous êtes donc dans les temps, enfin vous êtes consciencieux et organisé. J'ai juste un petit code à vous donner. Alors prenez votre stylo parce que je ne peux pas vous le... vous l'indiquez par écrit. Je note. C'est utile, UTIL, ANC, ANC, 14. Voilà, je le répète, utile, ANC, 14. Ce code, tout simplement, il vous permettra de vous inscrire gratuitement aux prochaines assises de l'ANC. Voilà, ces assises, je vous le répète, donc elles ont lieu mi-septembre. Si vous ne le savez pas déjà, ce sera à Limoges cette année. Et puis, donc, ce sera les 13 et 14 de mémoire. Il y a une autre information que je voulais vous faire passer. Vous avez remarqué qu'en bas de l'écran, il y avait des liens. Ces liens vont vous amener soit directement sur le site des Assises, vous voyez, soit sur des VOD que nous avons à vous proposer. La première que l'on avait organisée, c'était une webconf co-organisée avec l'Artan, que vous connaissez, qui est partenaire du réseau, sur les 20 EH et plus. Et puis, il y a également une autre VOD qui pourrait vous intéresser d'ailleurs, étant donné le sujet d'aujourd'hui. C'est l'atelier qui avait été filmé l'année dernière sur le guide du PANANC, donc le guide dédié aux installateurs.
règles et bonnes pratiques à l'attention des installateurs, donc tout droit venu du ministère. Voilà, enfin du groupe de travail. Guide qui est très bien fait d'ailleurs, hein, je n'ai pas de préciser. Donc les questions arrivent. Dernière petite chose. Bien sûr que si vous, parce que j'ai vu qu'il y avait encore une question là-dessus, si vous ne en doutez, la vidéo de cette conférence, puisqu'elle est enregistrée, sera disponible sur le réseau gratuitement et les supports de présentation seront ajoutés d'ici quelques jours également sur la plateforme au niveau de la page de formation. On va passer au temps d'échange. Nous avons encore un peu de temps. Alors, Sébastien David, bonjour. Faut-il focarder les roseaux chaque année? Est-ce que vous avez une fréquence à annoncer? Peut-être que la première année, ce n'est pas utile. Alors, je vais répondre. Je me suis exprimé peut-être dans ce sens il y a quelques minutes déjà. Il n'y a pas de nécessité à focarder les roseaux. Cette opération peut être faite, effectivement, une fois par an, j'allais dire, c'est une opération cosmétique plus que nécessaire du point de vue soit de la vie des roseaux, soit de la vie du filtre, donc de la qualité du traitement. Il n'y a pas d'obligation, contrairement à d'autres systèmes qui seraient des systèmes de phytoépuration et pour lesquels le focardage est obligatoire. Ça n'est pas le cas avec auto-épure. On peut cependant rajouter, si on ne focarde pas, il faut quand même surveiller qu'il n'y a pas de... ou d'autres milieux qui s'établissent sur le filtre parce que malheureusement l'absence de focardage, il ne faut pas complètement laisser envahir le filtre. Il ne faut pas laisser proliférer les autres végétaux. Surtout pas les milieux. Merci. Et puis bon, au départ, bon, généralement c'est difficile de focarder après la première ou deuxième année parce que le focardage a un sens, c'est bien établi. On a biomasse. Merci. Donc, pas de focardage nécessaire. En revanche, vérifier et donc bien trier à la mano, à la main, hein, pas avec, bien sûr, des produits chimiques. Donc, faire le tri sur les plantes qui sont en train de pousser. Willy Grunessen, comment fonctionne la rampe de dispersion? Est-ce que c'est par surverse? Je suis surpris qu'elle ne soit pas disposée sur un lit de gravier, à moins que cela soit le cas, mais peu visible sur la vidéo. Je peux confirmer que c'est le cas, et effectivement, ça va être peu visible sur la vidéo, mais effectivement, c'est un réseau de distribution sous pression, donc il n'y a pas de surverse, c'est-à-dire les eaux sont injectées sous pression, soit sous pression gravitaire, parce qu'on a, on a la pente, hein, donc avec le pente et les systèmes de chasse, on crée une pression dans ce conduit. Donc logique par des trous sous pression, ou soit s'il n'a pas la pente, c'est avec une pompe qu'on fait cela, dans un réseau de distribution qui est effectivement situé, comme vous l'avez supposé, ou disposé dans ce lit de gravier qui est en surface des filtres. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, La question suivante traite des odeurs. C'est Patrick Garcia qui la propose. Bonjour, y a-t-il une gestion particulière des odeurs d'effluents? Bon, je peux peut-être aussi répondre. Donc, les odeurs déjà au niveau de la fosse, hein, donc, vous l'avez déjà souligné, donc, l'importance effectivement que la fosse soit bien ventilée pour évacuer les gaz de la fermentation de fosse et puis au sein du filtre lui-même. C'est la couche de compost qui fait biofiltre, donc qui retient les odeurs tout en laissant passer les gaz et l'oxygène nécessaires à la surface des filtres. Donc effectivement, on a une meilleure oxygénation aussi des surfaces des filtres avec une couche de compost qu'on a dans la filière classique avec 20-30 cm de terre végétale dessus. Et où les odeurs peuvent s'échapper par le système de ventilation. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai pas loupé une question. La question suivante, c'est Xavier Poisson qui la propose. Oui, effectivement, je l'avais supprimée. Bonjour, quel est le coût moyen approximatif d'une installation 5 équivalents habitants sans poste de relevage?
Monsieur Prier. Le coût moyen approximatif dans terrain ordinaire, il faut compter environ 5 500 à 6 500 euros hors taxe. Vous bénéficiez d'un taux si votre maison a plus de 2 ans. Merci. Il correspond au plus haut coût au prix d'une installation filtration verticale drainée aux environs. Ouais. On est dans des conditions de réalisation similaires. Mmh. On est grosso modo sur les mêmes budgets, on va dire. Je pense. Ouais. Merci. Ricardo, pour la question suivante. Dans la vidéo, les expérimentateurs ont fait usage d'une bâche pour le fond de la... Oui. Dans le cas où nous, en Afrique, on utiliserait plutôt de l'argile, cela causerait-il un problème ? Sans la bâche, comment peut-on garantir l'étanchéité du filtre ? La bâche en question est une membrane qui est réalisée en EPDM, qui fait 1 mm d'épaisseur, et monobloc, bien entendu, d'un seul tenant, et qui a pour vocation très précise d'assurer l'étanchéité du filtre. Ce que l'on voit également sur la vidéo, c'est que les bords, même inclinés du filtre, sont renforcés par une barrière anti-racine qui va permettre d'éviter la prolifération, notamment des roseaux, donc à l'extérieur du filtre. Donc je pense qu'il est effectivement plus que souhaitable d'installer cette membrane EPDM pour garantir l'étanchéité du filtre. Ceci dit, au niveau de l'épuration, ça fonctionnera sans ça. Maintenant, il faut étancher. Bon, parfois, un compromis peut être aussi, c'est vraiment des sols très argileux. Au moins mettre un géotextile. Oui. Ouais, éviter que les matériaux soient souillés par l'argile. L'argile, au bout d'un certain moment, elle va se mélanger à l'eau et il y aura des remontées dans le crédit. Oui, en plus. C'est pour ça qu'il faut au moins le géotextile. Mmh. Donc, voilà, on vous recommande de suivre finalement la procédure. Oui, absolument. Pour éviter, donc effectivement, hein, vous l'avez dit, Monsieur Prier, les remontées. Si l'argile gonfle, c'est ça. L'argile va gonfler. Il y a des petites particules qui vont se lâcher. Mmh. Et ils vont venir se remélanger au gravier. Philippe Balmé, la fosse toute zoo est-elle plus petite que pour une installation traditionnelle? Donc, il souligne 4000 litres pour 8 équivalents habitants. Je peux répondre? Normalement pas, Monsieur Vachon. Monsieur Vachon, oui, pardon. Alors allez-y. Non, c'est exactement la même fosse. Hein, 8 équivalents habitants, c'est ce qu'on traite d'habitude avec une fosse de 4000 litres. Sur une base de 150 litres d'eau par jour par personne et un temps de séjour de 3 jours, ça nous fait un volume minimum de 3600 litres. C'est ce qu'on a pour une installation classique. Merci, Monsieur Vachon. Ricardo, à nouveau, je pense... Comme le suggère un participant, la rampe de dispersion doit être faite sur un lit de gravier. Donc, effectivement, il revient sur cette rampe de dispersion que tout à l'heure, Monsieur Pouillet a confirmé. On ne voyait pas, on ne voyait peut-être pas très bien sur la vidéo, mais elle doit être placée sur un lit de gravier pour éviter le colmatage. Voilà, dans le lit de gravier pour éviter le colmatage. C'est important de savoir et qui n'était pas visible sur la vidéo, c'est que les trous qui permettent d'injecter l'eau dans le lit de gravier sont disposés de manière latérale. Donc ils aspergent de chaque côté du tuyau et c'est ce qui permet effectivement une diffusion sur la totalité de la surface du filtre compte tenu de la vitesse des effluents apportés par la chasse au jet ou par la pompe. Donc, cette île gravier permet effectivement l'eau à se disperser lorsque le filtre est alimenté et aussi à l'air de circuler lorsqu'elle n'est pas. Absolument. Merci, Dirk. Alors, Willy, à nouveau, qui rebondit sur le coût de la filière, puisqu'il dit qu'il nuancerait, hein, car cela varie suivant la région et suivant les poseurs. Le coût chez nous d'un filtrage à verticale non drainé serait plutôt autour de 6 500, 7 000 euros. Oui, pardon. Non drainé. Un filtre à sable vertical non drainé, pardon. Non drainé.
Donc voilà, dans la région de Willy-Grenessen, alors je ne sais pas quelle région, mais peut-être que vous pouvez le spécifier. Il a sans doute raison, loin de moi l'idée de le contredire. Je ne connais pas la région non plus, mais on sait que la Corrèze. Le sable qualifié pour l'assainissement est parfois très peu disponible dans des carrières qui peuvent être éloignées, avec des coûts de transport qui deviennent vite élevés, et l'impact sur effectivement le prix de la réalisation peut devenir effectivement très important. Donc effectivement, d'une région à l'autre, on m'a souvent parlé de Chamonix, même si je n'y suis jamais, si je ne suis jamais allé vérifier, mais on m'a souvent parlé d'un prix du sable à Chamonix qui est prohibitif pour la réalisation d'un filtre à sable avec les volumes que l'on connaît. Alors, il y a la concurrence aussi. Et nous, on est dans une région où il y a beaucoup de concurrence, donc les prix sont toujours diminués. Ah oui, bien sûr. J'ai une question de Christophe Casali. Alors, je vais peut-être même pouvoir répondre, je pense. Est-ce que la mise en place d'une pompe ou d'une chasse à OG pour l'alimentation du filtre est obligatoire ? Ces filtres fonctionnent par bâcher, hein, oui, ouais. Donc forcément c'est obligatoire. Exact. Si j'ai bien suivi. Merci hein. Christophe. Voilà. Bah, écoutez, c'était la dernière question. Est-ce que je peux rebondir sur cette dernière question ? Alors je voulais vous laisser encore une petite minute si vous souhaitez poser des questions. Monsieur Vachon souhaite poser une question. Non, je voulais juste rebondir sur cette dernière question et demander, effectivement, c'est pas marqué comme ça ni dans les agréments ni dans le guide, est-ce qu'on peut mettre en place un autosiphon ? On peut mettre en place un autosiphon. Qu'est-ce que vous entendez par autosiphon ? Un siphon à cloche ? Non, c'est un système qui est fait dans des buses à peu près d'un mètre de diamètre avec des tuyaux en PVC qui forment un siphon, comme si le siphon est en haut, en fait, et du coup, il est auto-amorçant. Et ça fait le principe d'une bâchée. Oui, donc c'est un système à cloche. Enfin, le système n'est pas agréé avec ce type de siphon, donc si vous faites des déviations, vous n'avez pas d'agrément. Bon, d'expérience, c'est quand même ce type d'autosiphon avec des eaux usées, même décantées. Ils n'ont pas une très très grande fiabilité parce qu'ils ont quand même des tuyaux de très petit diamètre qui peuvent, même s'il n'y a pas d'MES, qui peuvent se boucher avec la biomasse et autres. Donc, on s'est détourné avec les. Bon, quand on a regardé ce qu'on pourrait utiliser. Et on fait le tour des différentes expérimentations en assainissement collectif et non collectif avec des siphons. On a compris que c'était pas le meilleur système au niveau de la fiabilité. D'accord, merci. J'ajouterai une réponse qui est cette fois réglementaire et spécifique à la France, puisque, comme vous le savez, Auto et Pure est un système qui a été agréé. Donc, dans l'agrément, on prévoit une alimentation soit avec une chasse à objet, soit avec une pompe. Donc, avec un poste de relevage. Et donc, je crois qu'en France, ça ne nous laisse pas beaucoup de latitude pour l'instant. Voilà. Merci pour ces retours. Alors, entre-temps, finalement, on a encore d'autres questions qui sont arrivées. On nous demande, et c'est Romain Boyer qui demande, quelle est la granulométrie du sable, idem celui du DTU. Et puis peut-être qu'on va poser les deux questions en même temps. Patrick Garcia, à quelle distance de l'habitat vous préconisez l'implantation ? On pourrait peut-être même aller un peu plus loin. Donc, à quelle distance y a-t-il des contraintes en termes de sécurité ? Pas plus, pas moins que sur un filtre à sable. Donc, on est contraint par les mêmes distances réglementaires qui nécessitent que le dispositif de traitement soit placé à au moins 5 mètres de l'habitation. Plus de 3 mètres des limites de propriété, de même qu'on doit s'éloigner de la végétation existante à 3 mètres au minimum, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Le dispositif de pré-traitement, quant à lui, bénéficie du même régime que celui qu'on va trouver dans un filtre à sable vertical drainé habituel. Donc, il peut, autant que je sache, être implanté plus près de la maison, à condition, bien entendu, de ne pas fragiliser l'édifice. Et peut-être que M. Vachon préciserait des choses de manière plus détaillée. Ah, alors, on ne vous a pas entendu. Vos réponses sont parfaites. Bon. Merci. Et alors, moi, je vous relance parce qu'il manque la granulométrie du sable. 0,4. Oui.
lavées. C'est des eaux 4 lavées, c'est des eaux 4 lavées relativement larges, on est un petit peu plus précis. Donc là, tes références à la courbe de DTU. La courbe de DTU est très large. En fait, le problème avec la courbe de DTU, lorsque vous êtes à gauche de la courbe, vous avez quand même un sable très fin qui risque de se colmater. Oui. Et lorsque vous êtes à droite de la courbe, vous avez un sable qui est tellement grossier que vous n'avez plus de très bonne épuration. Donc on est plus exigeant que la courbe de DTU, c'est-à-dire on a une courbe qui est coupée à gauche et à droite, le fuseau plus restreint qui permet d'avoir un sable qui a plus de garantie, de ne pas colmater, d'avoir quand même une bonne épuration. Merci. Alors, Sébastien David qui pose une question pour Monsieur Vachon. Exercez-vous un contrôle après réalisation? Enfin, j'imagine que c'est pour Monsieur Vachon ou peut-être que Sébastien pourra compléter. Et pour la mise en service, vos installateurs sont-ils agréés par vos soins? Ah non, alors finalement, c'est pour... C'est peut-être pour Stock, oui. Voilà. Donc... oui, nous faisons un contrôle des installations qui ont été réalisées. Et sans parler d'agrément pour nos installateurs, nous fournissons un document qui est un document donc de notice d'installation qui est assez précis, qui est imagé, j'allais dire façon les meubles qui viennent d'Europe du Nord. Avec au-delà des images et des séquences de montage, des plans qui sont des plans précis, là encore, et qui permettent de faire une réalisation exactement conforme à ce qui a été décidé et dessiné. Donc notre propos a toujours été chez Stock, quel que soit le dispositif, et c'est vrai encore pour Auto Épure. De tout faire pour que l'installation soit satisfaisante, que vos clients, les clients des installateurs soient contents de la réalisation qui a été faite par l'entreprise. J'appelle à témoin M. Priet, qui je crois, de ce point de vue-là, a été secondé correctement. Oui, oui. Bon. Merci. Alors, Willy repose une question... Et on revient. Ah oui, ça, c'est une très bonne question. Vous vouliez compléter ou non, répondre voulais... D'accord. Parce que c'est une très bonne question. Donc, la question, en fait, reste sur le champ de la sécurité. Doit-on mettre un grillage ou alors un système de sécurité autour des filtres? Voilà, si on a une poule dans le jardin, est-ce qu'elle peut aller picorer? C'est un peu ça, hein, la question. Ou alors des enfants, plutôt. Je pense que la question est surtout posée par rapport à d'autres filières de filtres d'opération. Dans leur agrément, l'obligation de mettre une clôture de 400 cm voilà. Autour de l'installation et un grillage sur le filtre même, pour la simple raison que ces autres filières n'ont pas de fosse septique en terre. Ils obligent d'avoir un système et pour protéger les risques cliniques, engendrer la fosse les eaux usées. D'avoir cette clôture à cette. Pas le cas. La réponse est catégorique. Non, il n'y a aucune nécessité à mettre en place un grillage ou un système de sécurité. Mais ce n'est pas le cas, contrairement aux autres systèmes de sécurité. Nous sommes sur une filière classique, traditionnelle. Monsieur, bien, alors. Oui, monsieur Vachon. Si vous ne parlez pas en face de votre micro, on ne vous entend pas. Ah, dis-moi. Ou... Donc, oui, vous... La réponse était... La réponse était non. Je m'en doutais. Non, mais voilà. On a très peu entendu son intervention. Du coup, chaque fois qu'il tourne la tête, on ne l'entend pas. Moi oui. Ou Ah oui. D'accord. Oui, non, je ne dois pas tourner la tête. Non, ce que je disais, si vous voulez que je répète. Non. C'était effectivement, comme il n'y a pas de risque de contact avec des effluents non traités, c'est inutile. Absolument. Alors, j'ai encore donc une question de Xavier Poisson. Existe-t-il des possibilités d'autoconstruction, comme pour la filière Aquatiris? Oui, pourquoi pas. Il faut être un petit peu consciencieux quand même et savoir utiliser les engins qui sont nécessaires pour ça. Mais pourquoi pas. Il faut un certain encadrement. Oui. Pardon ? Il faudrait l'encadrement. Il faudrait l'encadrement pour assurer quand même que les choses se fassent dans les règles de l'art. C'est-à-dire, faut pas laisser les gens tout seuls se débrouiller. Oui.
Bien, écoutez, je n'ai plus de questions. Je remercie. Oui, monsieur Vachon. Pour finir de répondre sur cette question, à l'inverse, effectivement, de la filière Aquatiris, pour laquelle la construction en auto-entrepreneur, en fait, est possible qu'à partir du moment où on fait une formation payante. Et en fait, sur ce procédé-là, il n'y a pas de formation payante imposée par les agréments. C'est juste. Merci. Alors, Isabelle Racine, qui n'est plus parmi nous, mais qui est toujours là, dit « Il faut savoir que Aquatiris fait toujours une assistance technique. » Voilà. Donc, petite remarque, Madame Racine, qui ne... je ne sais pas si peut-être que vous ne pouvez plus revenir visuellement avec nous. En tout cas, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants aujourd'hui qui donc vous ont apporté ce regard sur cette filière. Alors, je prends la dernière question, et ce sera la dernière. Patricia Garcia, dernière question, effectivement. Disposeriez-vous de maquettes pédagogiques? Très bonne question. Le plan est sur mon bureau. Voilà. Mais la réalisation n'est pas encore faite. Bien. Eh bien, merci en tout cas. Alain Gaillard, Dirk Esser, Isabelle Racine, Bernard Prier, Guillaume Vachon, merci d'avoir apporté ce regard sur cette filière un peu qui, comme vous le dites, et l'évolution de la filière traditionnelle. Merci en tout cas aux 56 participants connectés en direct d'avoir pu suivre cette conférence cet après-midi et de nous faire confiance. J'ai une dernière chose à vous demander, à tous ceux qui nous suivent à distance, c'est de bien vouloir renseigner ce sondage qui va nous permettre de savoir si vous avez aimé le sujet, si ça correspondait à vos attentes, si vous aviez des questions qui restent en suspens, ou alors si vous étiez plusieurs. Alors, la troisième question, attention, je vous demande un peu d'attention. Si vous étiez plusieurs, et uniquement si vous étiez plusieurs, à suivre cette conférence derrière votre écran, je vais vous demander de mettre le nombre et les noms. Voilà. Et ainsi, nous pourrons envoyer les attestations de présence, faire aussi les bilans, dresser le bilan correctement à votre organisme à la fin de l'année. Dernière petite chose, si vous avez des questions, plutôt que de la poser dans le sondage, moi je vous invite réellement à la poser sur le réseau, puisque les échanges continueront sur le réseau. De toute façon, les intervenants ont tous un compte, pourront tous répondre à vos interrogations, si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'en bas de l'écran, vous avez les VOD, donc celles sur les ANC regroupés ou les ANC supérieurs à 20 EH qu'on avait monté avec l'Artank. Et puis, vous avez aussi le guide du Panank qui vous est détaillé. Donc, c'était l'atelier du ministère de l'année dernière sur les assises. Et enfin, pour les prochaines assises, donc qui auront lieu du 13 au 14 septembre cette année, attention, ce n'est pas en octobre, c'est en septembre. Vous avez un code d'invitation qui est utile ANC14. Le premier lien, vous consultez le programme. Le deuxième lien, vous vous inscrivez en direct. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci à vous, merci à tous. Merci à Idéal Connaissance. Bonne fin de journée. Merci de m'avoir invité. Et merci de votre présence. Bonne fin de journée. Bonne journée à tous. Et bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.